Sophia TV, 83 amis, auditeurs, auditrices, tout pour pas bon dans 4 modes là. C'est avec plaisir, on l'autre fois encore, nous content de retrouver pour porter pour vous une nouvelle vidéo. N'a profiter, remercier et féliciter toutes les amis qui fait part des canals ça pour capable être informé. Et avec vous-même qui connecté pour la première fois, n'a dit ou bienvenue ou sous canal sans force côté. A pas aller sans pas abonner, profiter. Abonner et puis partager vidéo ça avec une de ton autre amis. Pour être capable de informer sur l'actualité. Bataille politique là continue à valer terrain. Élection, oui. Élection, non. Référendum, oui. Référendum, non. Leader politique continue à demander dialogue pour être capable de chita avec le président Jovenel Moïse. Gagné qui s'est maté. Il met tout et il pas chita avec le président Jovenel Moïse. Le président Jovenel Moïse chita en bois. Là, il demande dialogue. Il n'est pas d'accord. Eh bien, nous allons inviter autant de. Après départ premier ministre sans pays, Jude Joseph et Steven Benoit fait gros déclaration sous nouveau premier ministre AI Claude Joseph qui président Jovenel Moïse nommé par intérimaire. Nous pas attendre comment Steven Benoit lui-même lui constater que il gagne avocat après démission ministre yo ni président Jovenel Moïse dans transition coupé fachia tout nèg sa yo pral juger devant juge et yo quand même pour prison. Nous parlons de tout détail, comment ça a été. C'est tes amis, ou frère Pau, Sophia TV 83, pour une nouvelle vidéo. C'est ça. Maintenant, Jude Allé, Claude Moïse et Joseph. Claude Joseph qui l'a. On dit que c'est une déception totale. Voilà un professeur université aux États-Unis qui vient dans le pays. Ça, il a enseigné les élèves. Là, fait le contraire parce qu'il veut rester au pouvoir. Heureusement, les écritures restent. Toute position que Claude Joseph t'a pris comme haïtien depuis 10-15 ans, il y a là. Je veux dire, il fait exactement le contraire de ça qu'il t'a prêché. Mais, il y a un qui aime le pouvoir, il y a un qui devient chef. Je ne vais pas juger monsieur, je dis monsieur, bonne chance, bon appétit. Mais moi-même, nèg ti la yo, yo illégal, yo incursionnel, et tout ça, yo pas le prendre comme décision. Je tout rappelle yo. Un jour, les quatre avocats là, ils vont passer devant un juge naturel pour yo juger yo. Pour un, ils ont contre-signé avec le président et le premier ministre des décrets qui sont inconstitutionnels, illégaux, dont référendum. Ils ont signé nomination 9 membres CEP qui mourent, paix à son âme, qui vont faire référendum que yo connaît qui est interdit par la Constitution. Donc, pile moun sa yo, et m'a répété, les 5 membres du CCI. Moun qui soi-disant écrit constitution que étranger était écrit pour nous, que approprié, c'est moun sa yo. Le président et le premier ministre, même s'il parle encore, il est responsable. Les 18 ministres qui sont là, plus Mathias qui a porté ça, ils sont responsables. Les secrétaires d'État qui font partie du gouvernement, qui a porté projet ça, ils sont responsables. Et les 8 membres du CEP, ils sont responsables. Tout moun sa yo, un jour, le transition coupé fâché, ils ne pas obligé de répondre pas devant le juge naturel. Yo, et chaque monde a un niveau, à un lot, pour payer prix, crime de l'ex-patrie. Ils ont fait. Maintenant, ça me crée tout ça. Et bah, on est ici, ils me répondent une question. Parce que c'est, nous avons parlé de conjoncture là. Donc c'est, et là, nous sommes là. Mais j'espère que nous allons entrer en détail dans toute fait d'actualité. Yo. Donc, je suis là pour 8 autres personnes qui ont parlé. À jeudi, là. Je ne sais pas quel groupe qui passe au pouvoir qui n'a pas attribué ensemble de noms ça. Criminels, délinquants, etc. Et puis là, je ne parle encore. Vous venez nous compte que c'était la fête passée à Dieu le sait. Une fois que je parle, on les oublie. Et s'il le faut même pour ça retourner dans l'opposition, pour les gens qui tapent critiqué de criminels ou de toute bête là, chita avec eux sous même tabac, discuter pour comment pour combattre les ennemis, comment vous prêtez pour faire. Donc même parce que après 35 ans de. Tentative démocratique, nous ne pouvons pas continuer à aller dans la voie. Nous sommes capables d'exprimer différents, nous sommes capables d'exprimer des accords, mais ça doit toujours se faire avec un minimum de sérénité et de sérieux, parce que nous pensons de civilité politique. Maintenant, si nous t'as rentré très clairement de tout ça, nous entendons que sous table là, Peggy, moi, je ne sais pas si je suis capable de dire. Et je pense que je dis, c'est dans la ligne ça, président, c'est dans la ligne ça, gouvernement. C'est de bon ton et de bonne guerre que nos démocraties ou gain opposants. Nous tombons d'accord sur des bagailles, nous pas tombons d'accord sur des bagailles. C'est normal. Mais je dis à un Kafoupe, il est arrivé là, et Steven Benoit, ancien sénateur de la République, connaît,
m'pa kwa gen ken camp politique qui capable mettre en tête yo. Yo gen monopole bonne volonté a, yo gen monopole solution pays a, yo gen monopole changement que nous besoin. Donc c'est-à-dire jodi a plus que jamais nous devons joindre une possibilité pour que nous chita son table. Et moi-même, je dis plusieurs fois dans l'émission ici, dans d'autres stations sur Peggy, mais même là, on ne peut pas venir entendre avec un nègre. Vous allez chita avec pour dire que vous ne pouvez pas avec. Et pendant près de la durée du mandat du président Jovenel, monsieur qui est en opposition a pratiqué une graine politique vis-à-vis de monsieur, le marronnage. Je ne jamais d'accord confronter face à face son table sérieusement. Mais il y a eu des tentatives de dialogue avortées. Plusieurs tentatives de dialogue faites justement. Talep, sénateur et député hommage. Plusieurs tentatives de dialogue faites justement. Mais l'opposition, on a des jeunes gens qui ont fait distinguo, ils ont parlé de l'opposition radicale, ils ont parlé de l'opposition modérée. Donc, il y a un groupe dans le pays qui ont même, en outre, dit force de nuisance évidente. On ne sont pas jamais d'accord pour chiter avec le président. Alors que, là, nous avons regardé le pays d'Haïti, nous sommes capables de toute histoire de ensemble de sociétés qui vivent de guerre, qui vivent de conflits. Mais acteurs politiques, même si ils ne sont pas tombés d'accord, ils ont toujours joué des gens qui ont chiter. Il y a toujours des gens qui discuter sur l'avenir commun que nous avons ensemble. Aujourd'hui, il y a un Kafoupe qui est arrivé là. Si pas une discussion sérieuse qui fait, et le président dit l'autre jour, et même d'accord, président, on a dit aujourd'hui, on va faire politique, autre toi que je m'y mets. Bon, aujourd'hui, le président Jovenel lever le courrier. Et les gens qui partisans dans la RIAC, dans le ghetto, dans le quartier populaire, ça va faire avec eux. En 2004. En 2004. Non, en 2004. En 2004. C'est bon, est-ce que Gomba est président, on ne pas d'accord? Non, Gomba a dit faire, il dit Gomba. Eh bien, samedi. Maintenant, je vais vous dire, je me souviens très bien en 2004. En 2004, j'étais très jeune, avant 18 ans. Avant le 9 février 2004. Monsieur Dame qui était dans l'opposition à l'époque, yo, Aristide te gon discours. Entendre pour entendre nous, monsieur a dit yo pas gagne un café avec président Aristide. Yo te même dit monsieur son cancer. Mais quelle a été la finalité de l'histoire? La fin de l'histoire en fait. Président Aristide a allé 29 février. Nous vins trouver nous dans une situation, nous obligés à gérer la valasse là pendant près de 2 ans. Pendant 2 ans de transition, hein, tout ça qui t'a passé dans le quartier populaire, on a fait résistance, c'était des bases là-bas, l'assiette. Et pour l'histoire et la vérité, 2 ans plus tard, l'élection va l'organiser dans le pays, il y a un pouvoir dans nous. Il y a un pouvoir dans qui t'a combattu. Parce que justement, cette force était encore vivante. Donc je dis à là, nous pas qu'à rentrer dans quelle politique d'ostraciser un quel groupe politique, sous prétexte que au pouvoir, il faut nous retirer, il faut nous mettre pied par nous. Moi, je crois que le flanc est ouvert au dialogue et le président, il est clair là-dessus. Monsieur dame opposition, pour une fois, mettons-nous à la hauteur de l'histoire de ce pays pour que nous fassions dialogue là. Pas besoin qu'on s'en discute, pas besoin qu'on s'en dans le menu. Menu, justement, quelqu'un doit nous tenir face, nous dit monsieur, bon président, nous ne pouvons pas aller à l'élection. Quelqu'un doit n'importe qui bagaille. Mais il faut que Chita attende à fait, parce que c'est seul à l'issue de Chita attende ça, ou capable plus ou moins d'un dénouement favorable à une crise qui ne mène nous dans plus l'obé que nous y est déjà. Donc, même c'est que c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, ce n'est pas que pile question, on n'a pas attaqué, dit nèg criminel, dit nèg délinquant. Mais constater que criminel dans le jugement, c'est des exagérations. Constater que criminel dans le jugement. Et moi, quoi, Peggy, pour conclure, moi, quoi, fondamentalement, le monde ou fautif devant la justice, devant la loi, c'est dans le tribunal qui a décidé de ça. Pas qu'un monde qui est capable de péremptoirement, de par son bon vouloir et puis le juger, mais qui monde qui gagne droit à qui ça, mais qui monde qui gagne droit à qui ça. Donc, en nous renforçant les institutions, en nous dialoguer, en nous discuter, et à l'issue de la discussion, quelle que soit la route, mais en nous assez clair que c'est des routes qui profitent pour le pays, qui peuvent aller dans le sens de l'intérêt général. Alors, par rapport à la question référendum, il y a un article qui dit. Jovenel Moïse avait promis des tapes, il en a donné, mais il en a aussi reçu. Il fait allusion à cette sortie de BINU et même PHTK qui apparemment prend sa distance par rapport au projet de changement de la Constitution. PHTK a estimé que son projet anti-groupe contre l'autre groupe et qu'il n'y a pas qu'à rentrer dans une dynamique comme ça. Il a montré que techniquement, pas d'impossibilité pour 2 millions de monde gagner une carte. Donc il dit que c'est ONI même qui confirmait que techniquement, un référendum n'est pas possible en juin, politiquement, parce que la classe politique n'a pas emboîté le pas. Au niveau de l'exécutif, comment nous accueillons sorti binuant qui croit que le processus n'est pas inclusif, pas une appropriation qui fait de lit et PHTK qui pratiquement quitte le pouvoir là pour contrer.
Peggy m'a répondu très sincèrement. Premièrement, ce n'est pas au niveau de l'exécutif. Là, moi, personnellement, j'ai toujours un problème avec les acteurs nationaux. Notre, nous avons discuté, nous d'accord, pas d'accord. Chaque fois, c'est blanc démarqué de John Bagan et puis nous tout plongé, nous réfléchi autour de questions blanc. Donc, moi-même, personnellement, comme citoyen haïtien, comme patriote, comme homme politique, blanc va me dire grand chose pour moi. Malheureusement, je ne suis pas prêt pour me commenter. On va et Binu dit. Non, et ceci, que Binu, ou bien Nations Unies, ou bien n'importe qui blanc, disons bagaille, lié contre opposition, lié pour pouvoir, contre pouvoir, pour opposition, ça n'a jamais été mon tempérament pour me commenter bagaille blanc dit. Malheureusement, ça a Peggy, et n'a déplaisé avec certains amis, m'babe j'aime dans la situation, vous me faites, m'babe qu'on fait là avant, je dis à m'babe fait. Donc, c'est-à-dire, ça Binu dit, ça Binu pas dit, ça ne m'intéresse pas. Je connais l'histoire des Nations Unies. Je connais le génocide qui a fait en bas, je connais la fête, je connais le cob là-dedans, je alimente. Je connais les Nations Unies. Donc ça veut dire moi-même, comme État souverain indépendant, la difficile, là c'est Charles Jacques Junior qui a parlé. Charles Jacques Junior qui a parlé. Non, je suis un homme politique, je suis responsable de ma parole. Parce que même si je dis à mon titre, mon fonction, mais c'est pas ta fonction, mettez-moi dans la politique. Donc c'est-à-dire, je suis responsable de ma parole politique. Bien, sénateur, donc, en tant que tel, je ne vais pas faire de commentaires. Non. Une grosse question très simple à secrétaire d'État, Charles Jacqueline. Ou qui n'a pas répondu, soit qui font trois du pour pas répondre. Non, pas une question. Je veux dire, ou secrétaire d'État, je dis les ministres et secrétaires d'État sont solidairement responsables des actes du gouvernement. Je veux dire, jusqu'à après-midi à Cap-Géridel. Jovenel Moïse, jusqu'à un moment où on a parlé là, monsieur dit référendum très droite. Est-ce que ou même, je dis à là, ou dans référendum très droite, si demain matin, ou tu avais l'idée, parce que c'est l'idée ou la gouvernement, si demain matin, ou bien à ce moment-là, monsieur dit pas dans référendum encore, est-ce que Charles Jacques et tout, obi, tout changer Moïse. Et map tout font virgule, map tout pas fini. Est-ce que je vais aller? Parce que ma femme qui était jeune, nous parler. Point virgule là, Peggy, auditeur, capteur de yo, pas prendre un piège. Jovenel, son monde qui pourrait jamais dire une fois dans la ville que il y a toi et faut lui. Ça le fait là, il besoin une porte de sortie. Li fait patron le binidi, nous pas capable, li fait ouais toutes amis PHTK et alliés et famille. Ou pas dans des barbecue, ou pas tout demain tout c'est alliés et famille toujours. Li pas dit ah, et fait dans pas capable fête. Et puis j'ai dit bon, comme m'attendé, comme moi à l'écoute de peuple haïtien, bon on pas faire encore. On est tout pas capable faire ou pas capable. Moi même pas me défi faire, li pas capable. Donc Charles Jacques ou jeune ou même gouvernement dit normal. Non, mais sénateur, est-ce que vous supportez le gouvernement? Attendez, nous tous comme acteurs politiques. Qui est essentiel que référendum, non? Nous tous comme acteurs politiques, attends Peggy. Nous tendons nous à tour de rôle dans différents médias. En pile dans nous exprimer et plusieurs fois que justement, Constitution haïtienne 1987 là nécessitons pas ses mains. Nous tendons. Et ceci des années. Maintenant, je dis à la situation. Ça qui est fondamental pour nous autres en tant que pays, en tant que peuple, en tant que nation, c'est nous mettre d'accord sur l'avenir. Comment nous allons mettre nous d'accord sur l'avenir dans Jodia? C'est nous-mêmes qui pouvons entendre nous comme acteurs politiques qui vous faites. Jodia là, ou même sénateur Benoît, ou du ou pas dans le référendum, elle discute à président. Oh! Elle discute à président. Quel que soit. Non, parce que moi, je vais qui simple. Moi-même. Vérité. Je vais vous dire, par rapport à la position du PHTK, la sortie du PHTK. Je vais vous dire,
m'entendre que des débats qu'a fait dans pays là, et là très sincèrement c'est des débats très souvent qui dérangent. Un parti politique est un parti politique, un gouvernement est un gouvernement. Moment, vérité. Ça arrive. On va parler de PHK. Ça arrive des fois qu'un gouvernement ou un parti politique capable d'exprimer un désaccord par rapport à une parole dirigée. Ça arrive. Dans un parti politique, quand même, il y a pas 3-4 courants. Ça ne veut pas dire que parti politique n'a pas existé ou bien groupe n'est pas solidaire entre eux. Donc, position PHTK, je n'ai pas commenté la position de PHTK ici. Pour PHTK sont parti politique, il y a des intérêts politiques. Les gens doivent garder comment pour préserver l'intérêt politique. C'est de mon droit. Mais moi, je suis membre d'un gouvernement et nous connaissons le président jeudi. Sa démarche, c'est une démarche de dialogue pour que nous entendions nous sur les prochaines années à venir. Moi-même, c'est la mienne. Et maintenant, le PHTK a le droit d'exprimer oui ou non une position par rapport à une situation. C'est ça. Alors, nous ne pouvons pas réagir. 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 Nous ne pouvons pas réagir.